Écarte-moi simplement du chemin, mais viens toi, le grand Saint-Esprit de Dieu, et parle à ce peuple, de sorte qu'à la sortie, Seigneur, que chacun le parte et qu'il se dise l'un et l'autre nos cœurs. Ne brûlez pas au dedans de nous pendant que l'Éternel Dieu nous parle. Fais cela, Seigneur Jésus-Christ, afin que la gloire te revienne. Alors que nous avons ainsi prié avec foi, au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Je vous prierai de vous lever pour honorer la lecture de la parole. Ce soir, je vais lire dans Job. L'histoire que la plupart connaissent. Je vais lire dans Job chapitre 32. Du premier verset, je vais aller jusqu'au huitième verset. Nous lisons. Ces trois hommes cessèrent de répondre à Job parce qu'ils se regardaient comme justes. Alors s'enflamma de colère Eliou, fils de Barakel de Bouze, de la famille de Ram. La colère s'enflamma contre Job parce qu'il se disait juste devant Dieu. Et sa colère s'enflamma contre ses trois amis parce qu'il ne pouvait rien à répondre. Et que néanmoins, il condamnait Job. Comme il s'était plus âgé que lui, Eliou avait entendu jusqu'à ce que le moment pour parler à Job. Mais voyant qu'il n'y avait plus de réponse dans la bouche de ces trois hommes, Eliou s'enflamma de colère. Et Eliou, fils de Barakel de Bouze, prit la parole et dit: je suis jeune et vous êtes de vieillards. C'est pourquoi je crains. Je redoute de vous faire connaître mon sentiment. Je disais à moi-même, les jours parleront, de grands nombres de années enseigneront la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Les souffles du Tout-Puissant qui donnent l'intelligence. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir, merci. L'histoire que nous sommes en train de lire, c'est l'histoire que la plupart des croyants connaissent. L'histoire des choses. Nous connaissons tout ce qui est arrivé à Job. Nous connaissons tous comment Job a commencé. Il a grandi. La Bible nous dit que Job, il est arrivé à un moment où il est devenu très riche. Il avait sa femme, il avait ses enfants. Comme nous le savons, Satan le diable, le premier accusateur des enfants de Dieu, il est allé et Dieu lui a autorisé de venir toucher Job, toucher ses biens, toucher tout, sauf son âme. Maintenant, les souffrances commençaient à venir à Job. Les enfants sont partis. Les bétails sont morts. Toute la richesse est partie. Et Job s'est retrouvé là pauvre. Pas seulement qu'il s'est retrouvé pauvre, il s'est retrouvé malade. Juste dans ce que son corps était plein des ulcères.
Il tenait l'intention pour s'écrater. Dans cette souffrance là, il est arrivé au point où Job est parti. Il s'est assis dans la cendre. Là dans la cendre, dans une forte souffrance. Amen. Dans cette souffrance là, maintenant regardez, pendant qu'il était assis dans la cendre, les trois amis sont venus. Ils ont commencé à les condamner sérieusement. Job, tu as péché. Job, réponds-toi. La Bible dit, les réponses de Job étaient en train de certifier à ces gens. Mais alors, ils étaient là à condamner Job. Pourquoi? Parce qu'il était souffrant. Parce qu'il était dans la souffrance. Amen. Dans cette souffrance là, les trois amis sont venus. Ils ont dit à Job, Job, répands-toi. Regarde tout ce que tu as fait. Face à ces gens-là, les convainquaient toujours que Job n'avait pas péché. Job dit, j'ai tout fait. Je n'ai pas péché. La Bible déclare, les gens manquaient quoi répondre à Job. Ils se sont regardés avec Job. Peut-être qu'ils se posaient des questions. Mais alors d'où est venue toute cette souffrance? Ça c'est ma question de la les enfants sont morts. Les détails sont morts. Lui-même Job assis dans la salle. Il est vrai que ce qu'il dit, il a raison. Il n'a pas péché. Acheter dans ça. La Bible déclare. Pendant que le vieillard parlait avec Job, il était assis. Il entendait les discours. Il a attendu le moment. Les hommes n'ont pas cessé. Il a pensé que les gens vont arrêter les discours. Ils n'ont pas arrêté. Alors il s'est levé. Il a dit, maintenant écoutez-moi. Moi aussi, j'ai quelque chose à dire à Job. Et ce jeune homme, son nom était Eliou. Amen. Amen. C'est pourquoi ce soir, j'ai tout simplement un petit sujet que j'ai intitulé les paroles d'Eliou. Eliou avait des paroles qu'il cherchait aussi à dire. Écoutez ce que Fabana dit. Moi, je suis dit ceci. Fabana dit ceci.
l'ange de l'alliance. Le paragraphe 21. Et frère Barnaba dit. Et Job était assis là. S'égratant les yeux du sœur. Alors sa femme est venue. Et a dit. Job, tu as l'air misérable. Eh bien, tu y as prié, tu y as trouvé, tu y es assis là, intégrater les ulcères. Et tout celui qui passe ses portes de toi, tu es devenu l'objet dérisé. Tu es devenu l'objet dérisé. Dieu n'exauce certainement plus la prière. Là, c'est la femme. Il dit que Dieu ne répond pas à des prières. Quelque chose comme cela. Je peux voir le vieux patriarche. Alors qu'il levait les yeux vers elle. Il a dit, tu parles comme une femme insensée. C'est merveilleux le bien. Il n'a jamais dit qu'elle était insensée. Il a dit qu'elle parlait comme quelqu'un d'insensé. Malgré le discours de sa femme. Et pourquoi c'est que Job répond à sa femme? Et Job dit, l'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Et le nom de l'Éternel soit béni. Bien que je sois dans la souffrance, bien que je sois dans la difficulté, celui qui m'avait donné la richesse, c'était l'Éternel. Et celui qui m'a ravi la richesse, c'était que l'Éternel. Là, c'est l'histoire qui n'engage que moi et l'Éternel. C'est pourquoi j'ai béni seulement le nom de l'Éternel. C'est pourquoi
Il dit, mais, alors, ça. Si tout homme qui est profondément sincère, comme vous, ou n'importe qui parmi vous ici ce soir, ça, Pas tout le monde, 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 pas
Peut-être tout ne marche pas. Les activités ne marchent pas. Jusque-là, les enfants ne sont pas rentrés à l'école. Dans la difficulté, dans la souffrance, c'est dans la plus, dans la profonde détresse des choses que Dieu est descendu. Même ce soir, je vois. Je vais lire le paragraphe 47. Je commence par le paragraphe 44. Je savais qu'il avait fait tout son possible. Et bien, peut-être qu'ils ont essayé. Certains théologiens, ils ont cherché à dire, et bien, quelle force il y a dans le sang de l'agneau que tu offres? Job a dit, c'est conformément à la parole. Dieu exige le sang. Job savait qu'il était innocent. Voilà, dit, et de l'Est est venu un petit prince. Dis-nous d'Eliou. Du Seigneur Jésus-Christ. Fabana dit, c'était une préfiguration du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui-même. Car elle signifie Dieu. Écoutez les paroles de Eliou. Écoute Job. Je ne t'accuse pas d'être un pécheur en secret. C'est Eliou qui dit à Job. Les paroles capables à les réconforter. Moi, Eliou, je ne t'accuse pas d'être pécheur en secret. On n'a pas de nazar, mon fils, tu n'as pas péché. Mais, toi, Job, tu accuses Dieu à tort. Et Job regarde Eliou. Quand vous êtes en train de lire les paroles d'Eliou face à Job, eh bien, bonjour. Écoute, moi j'ai observé ces arbres. Si ces arbres meurent, elle revint. Mais l'eau, ces couches-là, oui, il rend l'âme. Ses enfants viennent le pleurer. Il ne s'aperçoit point. Il ne se relève plus. Il chie là. Si tu pouvais me cacher dans la peau. Dans la détresse. L'homme honnête
recevant un petit peu une formation d'enfant. Je vous ai donné à être enseigné par un enfant. Il dit, Eliou, apprends-moi alors. Mais avant que tu m'apprennes, regarde d'abord l'arbre. Si l'arbre meurt, elle tombe. Le printemps prochain, l'arbre va ressusciter. Je continue. Il se fait que ce soit cela le problème ce soir. Quand je sois tu prends paragraphe 46. Alors Job a compris ce que l'agneau représentait. Alors que Eliou était en train de parler. Alors que Eliou a essayé d'enseigner ou d'apprendre à Job. Après les paroles d'Eliou, frère Branham a dit, il s'est secoué. Les paroles d'Eliou ont réellement fait secouer Job. Job s'est secoué là. Il a senti la force de se lever. Il a été encouragé. La Bible, frère Branham a dit, il s'est levé. Quand sa femme a parlé, Job était resté là, assis, faible. Il n'y a pas de paroles capables à les relever. Les trois amis sont venus, ils l'ont enfoncé de plus. Mais Eliou vient. Eliou commence à apprendre à Job. Quatre mille ans
ans avant, Job a fait une vision. Job a prophétisé. Qu'est-ce qui a amené la prophétie? C'était simplement les paroles d'Élie qui ont amené la prophétie à Job. Alors Job s'est levé. Il a dit, je sais. Par le jeu de la foi, il a dit, je vois ce que tu veux dire, Elihu. C'est juste là qu'il a été promis parfois en Éden. Je sais que mon rédempteur est vivant. Dieu. Job dans son temps, il vivait sous le sang
et sous le sang des animaux, il ne pouvait pas ressusciter. Cela a coupé la relation avec Dieu. Maintenant, il n'y a pas de résurrection pour lui. Mais il y a un homme qui va venir. Là, c'est les paroles de Dieu. Il dit à Job, il y a un homme qui va venir pour que tu vois comment l'homme va ressusciter. Il faut que cet homme-là vienne. Et quand cet homme-là va venir, et il mettra sa main. Dit un juste qui se tiendra à la brèche. Il a dit non. Alors, c'est pas. Même au temps du
avec l'asperger, il commence à asperger les gens. Même dans la détresse, la parole me réconforte toujours.
Nous avons l'espoir.